Voilà le premier, il arrive. J'adore ça quand les dentiers mécaniques viennent nous rendre visite. Bonjour toi, comment ça va mon petit gars? On va prendre une photo. J'aimerais bien savoir faire ça avec mes dents. Oui, oui, c'est lui qui fait comme toi. Ah, ça y est, il s'en va. Au revoir. À bientôt, dentier. Et les autres, ils ne sont pas là? Ils vont arriver. Et pendant qu'on les attend, nous aussi, on pourrait claquer des dents. Oh pardon, on joue à faire comme les dentiers mécaniques, monsieur Scarabée. Oh, j'ai l'impression que l'on s'amuse beaucoup par ici. Et d'après mon expérience, quand on s'amuse beaucoup quelque part, il n'y a plus de problème. Venez jouer avec nous, monsieur le gendarme. Avec grand plaisir, oui, oui. Monsieur le gendarme, il rit bien trop fort pour jouer au dentier. Bah alors, on n'a qu'à essayer de jouer au statut musical. D'accord. Il ne faut plus du tout bouger quand la musique s'arrête. Oh, ça perd les popettes, ça perd les popettes. Vous êtes si drôle quand vous restez comme ça sans bouger. Monsieur le gendarme rit beaucoup trop fort pour jouer au statut. Bon, et si on jouait à cache-cache? Mais non, ce serait trop facile de le trouver. Oh, j'ai un jeu à vous proposer. Plus personne n'a le droit de rigoler. Mais monsieur le gendarme, vous riez à tout ce que vous voyez. Je devrais arriver à rester parfaitement sérieux. Bon, alors, on dit que plus personne n'a le droit de rire à partir de maintenant. C'est pas juste, c'est Oui-Oui qui m'a fait rire. Maintenant, c'est entre Oui-Oui et monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, c'est vous qui avez gagné. Bravo, bien joué. C'est moi, j'ai gagné, mais j'ose à peine y croire. Vous pouvez rire maintenant, monsieur le gendarme, la partie est finie. Ça perd les popettes. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois... J'ai l'impression que j'ai avalé mon rire. Le rire n'est plus du tout là. Il a dû tomber tout au fond de son ventre. Ce n'est pas grave, monsieur le gendarme. J'ai une idée pour le faire sortir de là. On va essayer de vous faire éclater de rire. Allez, des roues, allez, des roues. Rien de rien. Bing, bing.
Oh, ça non plus, ça n'a pas l'air de marcher. Tu as tout fait pour me faire rire, oui, oui. Mais malheureusement, mon rire ne revient pas. Alors, on va vous emmener dans un des endroits les plus amusants de toute la ville. On va prendre un gâteau glacé à la framboiseille, s'il vous plaît, monsieur Culbuto. Oh, c'est un excellent choix, oui, oui. Oh là, oh, pardon. Laissez passer l'as du dessert glacé. Oh là, pardon. Lui, il va réussir à vous faire rire. Et voilà le gâteau du siècle. Attention. Attention. Merci beaucoup. À votre service. Miam miam. Délicieux. Oh oui. Ça vous fait rire, monsieur le gendarme? Oh, j'ai bien peur que non, oui, oui. Et je me demande même si je serai encore capable de rire un jour. Je vais rentrer chez moi pour faire une petite sieste. C'est affreux ce qui arrive, oui, oui. On a tous besoin du rire de monsieur le gendarme. Il faut absolument que je trouve un plan à la oui, oui. Arrêtez-vous. J'ai un ami qui n'arrive plus du tout à rire. Est-ce que vous voulez m'aider? Ils n'ont pas l'air très intéressés. Essayons de les entraîner derrière nous. Ça, c'est un spectacle que l'on ne voit pas tous les jours. Oh, dommage que monsieur le gendarme ne soit pas avec nous. Je suis sûre que nous l'aurions fait rire. Oh, oui, oui, les dentiers ne nous suivent plus. Ils continuent tout droit. C'est mécanique chez eux. Viens vite, il faut les rattraper. Écoutez-moi, les amis. Monsieur le gendarme a perdu son rire et nous allons l'aider à le retrouver. Alors, tout le monde ensemble? Oui, c'est très bien. Suivez-moi tous. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tiens, c'est amusant. Une parade de danseurs mécaniques, ça c'est trop drôle. Et voilà la danse des dentiers. Toujours surprenant. Monsieur le gendarme retrouve son rire. Encore un tout petit effort, il faut le faire éclater de rire. Ça y est, j'ai enfin retrouvé mon rire. Qui veut faire une partie de jongle ballon avec moi? Oui, on veut bien s'amuser. Oh.
On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre. C'est bon là, il est pour moi. Chouette ambiance, ce maudit oui-oui ne s'arrête donc jamais. Ne t'en fais pas, Finot, j'ai eu l'idée d'un plan magnifique pour gâcher complètement leur plaisir. Ah bon? C'est vrai, ça sournoie. Ouais, il suffit simplement Il faudrait... Eh bien... Oh zut! J'ai oublié. Oh. Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon. Tu comprends? Oh, le ballon! Vite, vite! Voilà, oui-oui! Cache le ballon, cache le sournois! Mais je ne sais pas où le mettre! Bonjour les lutins! Vous voulez bien me rendre mon ballon? Un ballon? Quel ballon? C'est ce ballon-là! Merci bien! Vous pouvez jouer aussi, vous savez? Oh, super! super impossible, bien sûr. Non, merci, oui. Nous, les lutins, nous ne jouons jamais au ballon. D'accord, comme vous voulez. Vous venez? Hop là! On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon. Oui, ils ne nous avaient pas vus. Ils nous avaient... S'il ne nous avait pas vus, alors là, je crois que j'ai une idée. Ne pas être vu, c'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit. Et voilà de quoi nous rendre invisibles. Et à quoi ça sert, ça? Observe donc un peu. Alors, mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça? Et voilà. Imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer. La règle numéro 1 des lutins, c'est quoi? Toujours essayer de cacher l'ambiance. Moi, j'adore jouer à ce jeu. Je me débrouille pas mal, d'ailleurs. Vous voyez, le ballon n'a toujours pas touché le sol. Il tient tout seul en l'air, il s'en va maintenant. Allez, viens, Zimi, il faut rattraper ce ballon. On va le rattraper. Ton tableau est très joli, Potiron. Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose. J'adore les chouquettes à la crème fraîche. Oh, mais en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter. Tu vois, ça, c'est ma barbe. Oh, mais oui. Oh, je l'aime encore plus maintenant. Comment? Il s'amuse encore. Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée. Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend. Ouais, la goûter. Un très beau goûter? Oh non, c'est dégoûtant. Amène-toi sur moi, ça c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher. Je viens, Finot, je suis juste derrière toi. Pousse pas, la porte est fermée. Qui est-ce qui a parlé? Mais c'est moi, crâne de piaf. Oh, pardon, monsieur. Oh, pardon, Finot. Moi, je sais bien que ma patte est légère, mais à ce point-là, c'est fou. Allons-y,
Vas-y, mon petit Zim, rattrapons ce panier. Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils? Lindy, je te l'ai déjà dit 100 fois, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie. Tu vois? Mais incident technique. Au secours, à l'aide! Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, mon petit oui-oui, au contraire. J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux, tu le sais bien. C'est la première fois que je suis attaqué et poursuivi par une de mes pâtisseries. Mais qu'est-ce que ça signifie, oui-oui? Je n'en sais rien, mais je crois que j'ai une idée. C'est bien ce que je pensais. Ce mauvais tour est bien signé les lutins. Potiron, je vais devoir tendre un piège. Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sent très fort, tartinés sur du pain moisi et accompagnés de quelques quiches aux œufs bien pourris. Impeccable. Pourrais-je prendre tes restes de peinture? Tu peux te servir, mon petit oui-oui. Oh, je parierais bien tous mes boutons de jaquette que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu as le secret. Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'aurais besoin de vous. Voilà, ça sent bien fort, Berk. Quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines? On dirait bien du fromage fort, tout chaud. Attends un peu. Et du pain bien moisi et tout vert. Oh oui. Et des quiches aux œufs pourris. C'est l'heure d'aller manger. Miam. Oh là là, oh là là. Surpris, la main dans le sac. Vous êtes rouge de honte ou alors vert d'orage. Mais je n'ai même pas pu terminer ma bonne quiche aux œufs pourris. Comment peux-tu être aussi cruel avec nous? Dis-nous, t'as un petit peu de peinture sur toi. Sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle. Et j'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui-oui. Ah oui, je pense que ça va être très utile. Vous ne partirez d'ici que quand vous aurez peint quelque chose de joli et de ressemblant. Voilà, ça ira bien. Oh non, pas du tout. C'est épouvantable. Voilà. Oh, Dieu, oh, ça c'est très joli, sournois. Bon, eh bien maintenant tu peux partir. Ah, d'accord, salut. Oh, toi tu continues, Philo, essaie encore. Coucou. Coucou. Coucou.
vais-y-m. Allons voir ce que Mirou a préparé ce matin. Mes petits gâteaux aux framboises, ils sentent très bon. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Ah, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. Coucou. C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau aux framboiselles? Oh, oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui, oui. Tiens, essaie-le, Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. Eh bien, quel appétit! Dites-moi, la mer a l'air d'être assez bonne? Un petit peu froide à mon goût. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Ravie de vous avoir rencontré. Au revoir! Oui, oui, c'est l'heure du football pour les enfants. Déjà? Oh, excusez-moi, je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. Je veux jouer au football. Mais où étais-tu? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté. Oh, il est parti. Parti? Mais où est-il allé? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou! Coucou! Oh! Où es-tu, coucou? Oui! Au secours! Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée! Elle est dure comme de la glace! Oh là là! Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée, mais le coucou n'a pas chanté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde.
Vos semelles sont complètement usées. Oh, dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti. Oh, regardez. Les soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Oh. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui. Oh, oh, est-ce qu'on s'amuse par là? De terre, ça ne m'emballe pas. Je préfère en rester à mes sandwichs. Oh, bonjour. Vous aussi, vous aimez les sandwichs? Allez-y. Salut. Si nous voulons retrouver le coucou, nous devons voler comme un coucou. Escadrille, parée pour la mission coucou. 3, 2, 1, parée au décollage. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui-oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même. Coucou, c'est l'heure de jouer à cache-cache. Cache-cache. Oh, 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 d'accord. Oh, bien. Cache-cache. 9, 10, j'arrive au cachet ou pas? Oh, monsieur le gendarme, je vous ai trouvé. Alors là, on s'amuse. Arf, arf!
Bravo, bien joué, mon petit Zim. Tu m'as trouvé très vite. Bravo, tu m'as trouvé aussi, Zim. J'aime beaucoup jouer à cache-cache, mais c'est quand même mieux quand on est plus nombreux. Allons voir si on trouve des amis pour jouer avec nous. Attention doucement, Lindy. Oh, désolé, Wiz. Ce moteur est beaucoup trop lourd à porter, mais ce serait plus facile pour moi avec un peu de magie. Lindy, on l'a déjà dit, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. On doit faire son travail de la bonne manière. On va simplement utiliser le méga aimant qui attire les objets métalliques. Il ne parvient pas à soulever ce moteur. Mais il va y arriver, il suffit d'augmenter la puissance, c'est tout. Lindy, débranche les mains. Non, non, pas ce bouton-là, Lindy, non. Je passais te voir pour te proposer de jouer à cache-cache. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne t'a jamais appris à jouer à cache-cache? C'est un jeu génial. Tu te caches et tu attends qu'un autre joueur te retrouve. On fait comme ça. C'est presque ça. Il faut absolument trouver un bon endroit pour se cacher. Une cachette difficile à trouver. Bon, je vais te faire voir. Montrez-vous, les amis. Je suis là. Ah, ça c'est un jeu extraordinaire. J'adorerais jouer à cache-cache. Tu peux aller jouer, Wiz. Et moi, je m'occuperai du garage. Bon, d'accord, mais surtout, n'oublie jamais. Mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Alors n'oubliez pas, vous devez rester bien caché jusqu'à ce que quelqu'un vous retrouve. Attends un peu, j'enregistre l'instruction. C'est noté, je dois rester bien caché jusqu'à ce que quelqu'un me retrouve. C'est bien ça. À présent, je compte jusqu'à 20 et vous, vous cherchez un endroit où vous cacher. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors je commence. 1, 2, 3, 4, 5. Un balayage rapide des données que j'ai en mémoire m'a permis de localiser une cachette idéale. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'arrive, bien caché ou non? Je reviens vite, ma petite voiture. Oh non, ma chère petite voiture de sport. J'y suis presque. Il y a quelqu'un ici? Non. Non, personne par ici. Bonjour les soldats de plomb. Bonjour, oui, oui. Attendez une seconde. J'avais bien vu. Ça y est, je t'ai vu, mon petit Zim. Déjà un, plus que deux. Merveilleux. Tout un après-midi bien tranquille. Dis-moi, Lindy, j'ai eu un accident. Il faut me réparer ça d'urgence.
Et moi, j'ai besoin d'être remonté. Oh là là, me voilà bien occupée d'un seul coup. Voyons, voyons, où Mirou a-t-elle pu se cacher? J'ai une idée. J'aimerais bien connaître un bon endroit pour faire un pique-nique. Eh bien, il y a un joli coin au bord de la rivière. Et sinon, avec mes copines de la maison de poupée, on va... Oh, oui, oui, tu m'as bien eue, n'est-ce pas? Oh, je t'ai trouvé, Mirou. Allô? Ah, c'est toi, oui, oui. As-tu enfin retrouvé Whiz? Non, il ne manque que lui. J'ai retrouvé tous les autres. J'aurai besoin de lui très vite ici pour des réparations. Pourrais-tu le retrouver d'urgence? Entendu, Lindy. Je vais demander aux autres de m'aider. Whiz? Whiz, où es-tu? Il faut peut-être se séparer et le rechercher un peu partout. Très bonne idée! Mais où est-il passé, Whiz? Cette cachette est sensationnelle. Ah, oui, oui, ne pensera jamais à chercher ici. Bonjour tout le monde. Pas la moindre trace de Whiz nulle part. Bon, j'ai bien essayé d'étudier son grand livre de mécanique, mais je défie quiconque d'y comprendre quelque chose. Oh là là, c'est affreux de voir ma belle voiture comme ça. Et moi, je suis complètement à plat. Oui, oui, comment pourrions-nous faire pour retrouver Whiz? J'ai besoin de lui. Mais si, il y a moyen, votre aimant. On va le retrouver grâce à la force magnétique. Génial! C'est bon, Mirou. Tu peux mettre les mains sous tension. Entendez, oui, oui. Oh, j'ai des petites cuillères tout à fait comme celle-ci. Il ne semble pas que Whiz se soit caché tout près d'ici. Mirou, essaie de pousser les mains jusqu'à sa puissance maximale. On va essayer, oui, oui. Personne ne trouve ma cachette. Non. Personne ne trouve ma cachette. Non. J'ai l'impression d'être vraiment très doué à ce jeu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Whiz, enfin je t'ai trouvé. Eh oui, c'est à toi de te cacher maintenant. Oh, nous n'avons pas le temps. Lindy attend ton retour au garage avec impatience. Ah, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma première partie de cache-cache. Merci bien de m'y avoir invité, oui, oui. Tu es vraiment fort à ce jeu, Whiz. Bien trop fort pour moi. Eh oui, mais la prochaine fois, j'essaierai de me cacher un peu plus près. Tu me vois réellement impressionnée, Lindy. Et tu as réparé ces voitures toutes seules. Naturellement, Whiz. Et elle a même remonté Souriceau. Bonsoir tout le monde. Et tu as fait ça sans utiliser la moindre magie? Chut! Non! Arrêtez! Tu aimes vraiment jouer à rapporter, Zim? Alors va chercher! «
trop facile pour toi, hein? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Tu es un champion à ce jeu. Oh, une idée? Est-ce que ça te plairait de jouer à Zim à la volée? Ah oui, mais il nous faut un troisième joueur. Ah, tremblez tous, car voici le terrible lunois sourdin. Non, je veux dire lutin sournois. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'était aussi effrayant qu'une tarte aux pommes de Monsieur Culbuto. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. C'est mon rire cruel. On dirait juste que tu as avalé une mouche. Si tu veux réussir ton examen à l'école des lutins et obtenir ta médaille de gâcheur d'ambiance, il faudra que je travaille beaucoup plus dur. Je ne te le fais pas dire, sournois. À présent, tu vas aller avec mon rigolomètre un peu partout dans Miniville, gâcher le plus possible d'ambiance et me faire un rapport sur les vilains tours que tu auras joués. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, je... Sournois. Oh, et pourquoi irais-tu essayer de gâcher l'ambiance? C'est la règle numéro un des lutins. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. C'est parfait. Alors n'oublie pas, je serai ici à 3 heures précises pour vérifier si tu mérites vraiment ta médaille. Dakodak, Fino. Regarde, je suis content, je suis triste. Oh. Ne t'inquiète pas, Zim, on va bien trouver quelqu'un pour jouer avec nous. Ah, voilà. Ah, ah, tremblez tous, car voici le terrible lutin sournois. Bravo, juste au bon moment. On a besoin d'un joueur en plus. Mais j'essayais seulement de gâcher l'ambiance. Bon, alors toi, tu vas te mettre ici. Il vaut mieux poser ça là pour éviter de la casser. Mais moi, j'ai plein de vilains tours à jouer pour gâcher l'ambiance. Ne pense plus à gâcher l'ambiance, sournois. On va jouer à Zim à la volée maintenant. Allez, moi, je te lance la balle et Zim essaie de l'attraper. Sournois, attrape. Vite, lance-la moi. L'ambiance sera gâchée si la balle s'en va dans un arbre. Un coup très malin, sournois. Un coup quoi? Oh, je sais, je vais crever la balle. Bien attrapé, sournois. Tu es vraiment bon à ce jeu. Qui, moi? Tu l'as presque attrapé, Zim. À moi. Non, laisse-moi. Tiens, tu n'auras pas la balle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le rigolomètre de Fino. C'était le rigolomètre de Fino? Eh ben, c'est parce qu'on s'est amusé beaucoup trop. On peut s'amuser trop? Mais oui, et moi je vais avoir des tas d'ennuis à cause de ça. Moi qui voulais vraiment, vraiment réussir l'examen de gâcheur d'ambiance et recevoir ma médaille. Mais attends, sournois, tu peux peut-être encore l'obtenir? Mais comment? Je veux bien t'aider. Pour commencer, il va falloir faire réparer cette chose. Mais à qui pourrait-on demander ça? Bah, quelqu'un qui sait réparer n'importe quoi. Nom d'un petit bonhomme en fer blanc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bidule magique des lutins. C'est le rigolomètre. Et d'après son état, quelqu'un autour de lui s'est un petit peu trop amusé. Oh. C'est fabriqué n'importe comment. Des mauvaises pièces assemblées à la va-vite. Oh, typiquement un travail de lutin. Tu crois que tu peux le réparer? Eh bien... Oh oui, je peux, mais ça ne m'enchante pas. Va vite dire à ton épouvantail qu'il peut attendre dehors. Il aura son bidule dans moins d'une heure. Merci, Lindy. Coucou. Oh. Coucou. Oh non, déjà 2 heures. Fino va bientôt revenir. Oh là, je ferais mieux d'aller jouer des vilains tours. Tout va bien, sournois. Lindy va réparer... Sournois? Sournois!
Rien de mieux pour être de mauvaise humeur que de trouver de la glu bien gluante au fond de ses chaussures. Sournois. Oh oui. Mais qu'est-ce que... Sournois. Sournois, je veux te dire quelque chose à propos de ta médaille. Oh, et un gâteau au chocolat pour Monsieur Scarabée. Sournois, c'est pour t'aider que je cherche à te parler. C'est un objet technologique très intéressant. Alors, maintenant voyons si ça fonctionne. Essaie de faire quelque chose qui t'amuse beaucoup. Comme de réparer un circuit d'ordinateur. Mais non, ça ce n'est pas drôle. J'ai trouvé, je te raconte une histoire. Toc toc. Toc toc. Ah oui, ah celle-là je la connais bien. Oui, qui est là? C'est la fée. C'est la fée comment? C'est la fée plaisir de vous rencontrer. Hein? Je la comprends pas ta blague. Tu n'as pas compris? C'est la fée. C'est la fée plaisir. C'est pas très drôle. C'est une blague très mauvaise. Oh, on va devoir essayer autre chose, Whiz. Ah, fais quelque chose de drôle, comme une danse un peu rigolote. Mais je ne sais pas danser. Ne t'approche pas de moi avec ça. Ça marche. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Lindy? Ah, tu es là. Ce serait mieux de le rendre à Oui-Oui maintenant. Oh, Fino sera là d'une minute à l'autre. J'ai intérêt à gâcher le plaisir de n'importe qui et très vite. Oh non, je n'arriverai jamais à obtenir ma médaille. Mais si, tu l'auras ta médaille, j'essaie de te le dire depuis une heure. On va s'y mettre tous ensemble et on va t'aider. Mais pourquoi feriez-vous ça? Je ne suis qu'un lutin. C'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi. Que pouvons-nous faire pour t'aider, Oui-Oui? Il faut que vous ayez l'air aussi triste que possible, juste pendant que Fino est là. Et après, vous pouvez de nouveau être heureux. À quelle heure doit-il venir, Oui-Oui? Coucou. 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 Maintenant. Non, pour une fois, on dirait que Sournois a fait du bon travail. Même Monsieur le gendarme a perdu son rire. Salut, Fino. Laisse-moi vérifier ça. Eh bien, je ne sais pas comment tu as fait, mais il me semble que tu as parfaitement réussi. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de te donner la médaille de gâcheur d'ambiance de l'école des lutins. Youhou! Oh non, pas ces rires épouvantables. On n'est pas triste longtemps au pays des jouets, tu vois, Fino. Encore une chose que tu dois savoir, Sournois. Pour un lutin, le travail n'est jamais fini. Bibi. Oh.
Bonjour, oui, oui. Bonjour, Mirou. Vous venez nous aider à ranger? Non, Whiz, pour connaître la date de ton anniversaire. J'ai noté dans mon carnet l'anniversaire de mes amis, mais je ne connais pas le tien. Il y a une bonne raison à cela, Mirou. C'est simplement que les robots n'ont pas de date d'anniversaire. Pas de fête qui vaille, seulement des jours de travail. Oh, mais Whiz, tout le monde devrait avoir son jour de fête. Lindy a raison, on ne devrait pas priver les robots d'une telle fête. J'ai une idée, décidons qu'aujourd'hui est ton anniversaire. Oh, c'est une excellente idée, oui, oui. Youpi, c'est l'anniversaire de Whiz. Bilibip, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil à vous. Mais je voudrais vous poser une question. En fait, qu'est-ce que c'est un anniversaire? Oh, tu ne sais pas, Whiz. C'est quand tu as un an de plus et que tous tes amis te souhaitent joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et que tu reçois des cartes d'anniversaire. Ah, pas de magie, s'il te plaît, Lindy. Oh, pardon, Whiz, je suis un peu excitée. Et un cadeau d'anniversaire. Oh, Magnifique, Lindy, sans faire appel à la magie. Tu pourras utiliser mon cadeau autant que tu voudras maintenant. Oh, Whiz, merci. Et Whiz, on te fera une fête aussi. Une fête? Oui, une fête où on pourra danser. Ou alors, une fête où on doit se déguiser. Tada! On peut aussi organiser une grande fête surprise. Une grande fête surprise? Et comment ça se passe, oui, oui? Oh? Surprise! C'est ça alors, une fête surprise? Oh, je me sens si heureux et si excité que je pourrais... Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent très heureux et très excité? Dis oui, oui. Il y a des gens qui sautent en l'air et qui crient « Youpi !» ou qui dansent comme des fous. Tu fais tout ce que tu veux le jour de ton anniversaire. Oh, youpi! J'ai l'impression d'être allé un peu trop loin dans mon excitation, oui, oui. Mais pas du tout. Faire le fou à son anniversaire, c'est normal, Whiz. Maintenant, tu sais pourquoi tout le monde aime les anniversaires à Miniville. J'ai eu l'occasion de te dire à quel point je déteste les anniversaires sournois. Oui, Fino, tu me l'as dit. Il y a une horrible ambiance de joyeux anniversaire par ici. Nous devons gâcher cette ambiance. Quelle est la règle numéro 1 des lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Monsieur le gendarme est là. Nous allons jouer à un jeu de société. On l'appelle le cadeau musical. Non, oh, le cadeau musical, c'est mon jeu préféré. Il faut chercher un autre cadeau, oui, oui. Personne n'en veut de celui-ci. Ce n'est pas ça, Whiz. On doit continuer de le faire passer jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et là, on peut l'ouvrir. Oh, je savais pas ça. Je suis désolé. Oh, il ne connaît pas les règles du jeu. Enfin, je veux dire, il ne connaît pas les règles du jeu. Voilà. C'est ça. Et donc, on peut lui raconter n'importe quoi. Oh, cette fois, c'est à moi. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le papier cadeau. Ah, c'est vrai? Pourtant, c'est tellement plus ordonné de le refermer. Décidément, je n'ai pas l'air très doué pour fêter les anniversaires. Tu t'y feras très vite. On a encore des choses à préparer maintenant. Whiz, je trouve que tu devrais sortir un peu et faire un tour au bord de la rivière quelques instants. D'accord, si c'est une chose qui se fait pour son anniversaire. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des amis qui veulent bien tout apprendre aux robots sur les anniversaires. Joyeux anniversaire, Whiz. Oh, merci. Mais comment savez-vous qu'on fêtait mon anniversaire? Moi-même, je ne l'ai appris qu'il y a quelques instants.
C'est parce qu'on t'espionnait. Non, sournois veut dire que notre cher ami Oui-Oui a oublié de t'apprendre deux ou trois petites choses. Petites choses amusantes à faire à son anniversaire. Oh, ça ne ressemble pas à Oui-Oui d'oublier. Tiens, par exemple, t'as-t-il expliqué que si quelqu'un te dit « joyeux anniversaire », tu dois... faire cocorico comme un petit coq, voilà. Allez, montre-lui, sournois. Cocorico ! Mais non, Oui-Oui ne m'a pas parlé de ça. Je n'oublierai pas de le faire, alors. Bien. Et t'as-t-il dit que quand tu reçois des cartes d'anniversaire, tu dois... tu dois les manger. Ça alors, je pensais qu'on mangeait un bon repas de fête plutôt. Ah, autre chose à propos des cadeaux finaux, dis-lui ce qu'il doit faire avec. Ah oui, eh bien, quand tu as reçu un cadeau, il faut toujours le... il faut le jeter. le jeter à l'eau si c'est possible, voilà. Faire cocorico, manger les cartes reçues et jeter à l'eau mon cadeau. Et vous êtes bien sûr de tout ça, les lutins? Absolument sûr. Ça a l'air bizarre, mais si c'est comme ça, vive les anniversaires! Eh bien, si ça ne gâche pas la fête, je me demande ce qui pourra gâcher la fête. C'est génial. Il ne se doute pas que nous l'attendons. Elle ne sera pas pour Wiz la plus grosse surprise. Elle sera pour eux. Chut, le voilà. Surprise. Oh, oui, Mirou, vous êtes tous là. Est-ce que c'est pour mon anniversaire? C'est bien ça, Wiz. Joyeux anniversaire, Wiz. Joyeux anniversaire. Oh, je sais ce qu'il faut faire quand on me dit joyeux anniversaire. Il l'a fait. Ça va gâcher l'ambiance. Hey, cocorico, à toi aussi, Wiz. Cocorico. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils se comportent comme des fous. Non, Fino, il se comporte comme des coqs. Ta carte d'anniversaire, Wiz. J'espère qu'elle te plaira. Oh, merci, oui. Je sais exactement ce qu'il faut faire avec. Tu n'es pas vraiment censé faire ça, Wiz. Ta-da! Un papillon. Merveilleux. Bien trouvé, Wiz. Tout va de travers, Fino. À chaque fois que tu essaies de gâcher l'ambiance, tu l'améliores un peu plus. Et ça, Wiz, c'est ton cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que je dois faire déjà avec mon cadeau? Le jeter. Fino et Sournois, vous venez vous joindre à la fête? Exactement, oui. Jette le cadeau, jette-le dans la rivière. Ah oui, bien sûr. Oh, c'est incroyable. Il est tombé dans l'eau. Il faut faire vite, suivez-moi. Tu vois, je te l'avais dit que je gâcherais cette fête, sournois. Je gagne toujours, tu vois. Toujours. Désolé, Fino, tu n'as pas du tout gâché la fête. Car le cadeau d'anniversaire de Wiz, c'est... un bateau télécommandé. Tu fais vraiment une drôle de tête, Fino. On va arranger ça. Sournois et Fino, au nom de la loi, je vous donne l'ordre de vous joindre à notre fête. Non. Oh, merci, oui. J'ai bien apprécié mon anniversaire. Mais pour m'aider à le comprendre tout à fait, pourrions-nous le recommencer? Naturellement, Wiz. Je pensais le refaire, peut-être, dès demain. Si on décidait de le refaire plus tôt l'année prochaine.